Agent 47 and Diana Burnwood are the world's top assassins working for the ICA. Unknowingly, they have been hired by a shadow client to target a number of operatives of Providence, a secret organization working in the highest echelons of power. Providence's controller, the Constant, approaches Diana and makes her a deal. Eliminate the shadow client and learn about 47's past. But when 47 discovers that the shadow client is Lucas Gray, his lost childhood friend, he and Diana switch sides to fulfill an old pact. Destroy Providence. Together, they manage to capture the Constant, forcing him to reveal the identities of the three Providence partners. Eliminate them, and the war would be over. However, the Constant has an ace up his sleeve. Look closer. In the shadows. Behind the everyday world. Beyond the headlines and the seats of power. A hidden hand. A kind of company known as Providence. To it, we were just assets to use and throw away, to do the unthinkable, the unforgivable, and it never gave us a second thought until now. After decades in the shadows, we are fighting back. Me and 47. Much has been lost, but we are closer than ever. We trapped the Constant, Providence's chief controller, and finally learnt the names of its three partners. In their downfall, we lay the past to rest. And, just maybe, look towards the future. 47. It's time. Partners are down there. You know, I never planned this far ahead. You never do. I see someone got his memory back. Wait, is that a beacon? What the hell? Base. Alexa Carlisle's helicopter just took off. Confirm target locations. Over. Diana, what's the status? Right. We have a situation. Carlisle has left the building. And I think I know why. The Constant has escaped. He persuaded one of the sailors into setting him free. And since then, he's been seizing control of Providence assets and resources. I can only assume Carlisle is rushing to contain the damage. If she slips away again... We'll keep track of her. Make sure she doesn't. Meanwhile, the plan stays the same. Your destination is the Scepter, the world's tallest building where the partners are laying low, courtesy of their host, Sheikh Omar al-Ghazali. Marcus Stuyvesant is fifth-generation old money. His family made its fortune in real estate and banking, and were at one point the chief landowners in New York. Carl Ingram is a powerful Washington kingmaker whose family grew rich selling gunpowder during the American Civil War and later established a globe-spanning empire in oil, coal, and steel. Both families long since retreated from public view, but their quiet dominance endures to this day. Now, the partners likely suspect that we're coming, so Mr. Gray will infiltrate building controls and disable all electronic doors and elevators. Stuyvesant and Ingram are about to find they have nowhere left to run.
Right. This is our moment, 47. Providence ruined our lives with the flick of a pen. Today, we return the favor. Happy hunting. Welcome to Dubai, 47. Today is the inauguration of the scepter, and the ceremony is well underway. You will find Marcus Stuyvesant near the building's signature art installation. While a paranoid Carl Ingram has ensconced himself in his penthouse suite, security on highest alert. Mr. Gray is already in position and ready to assist. Good luck, 47. Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Hitman 3 sur PlayStation 5. Édité et développé par IO Interactive, sorti officiel le 20 janvier 2021 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Excellente note de 17 sur 20 en moyenne sur la plupart des sites communautaires de jeux vidéo. C'est par là qu'il fallait que je passe, autant pour moi. Je découvre le jeu donc en même temps que vous, comme vous pouvez le voir, la grosse nouveauté. C'est surtout une très bonne nouvelle pour démarrer, c'est que quand vous lancez le jeu et que quand vous avez accès au menu, eh bien le jeu vous propose de refaire toutes les missions de Hitman 1 et 2. Si vous ne l'avez pas fait, Hitman 3, c'est l'occasion ou jamais pour vous de vous y plonger pour pouvoir faire la trilogie en entier. Et ça, ce n'est pas rien de la part de IO, merci à eux. Le fameux donc petit téléphone caméra qui permet donc d'ouvrir les fenêtres. Ça va être pas mal. Une espèce de système piratage. C'est pas de refus. Donc voilà, comme je vous ai dit, on peut refaire les missions des premiers et second volets. Les contrats d'assassinat sont toujours disponibles. Petit point négatif, le mode Ghost a été enlevé. Normalement, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez la possibilité de jouer avec votre profil mis en ligne. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire va être retenu par le jeu, et le mode Ghost était une sorte de mode multijoueur où est-ce que vous pouviez jouer contre vous-même en mode contre-la-montre, où vous vous voyez vous agir en mode fantôme, ou avec vos amis dans votre liste d'amis sur console, ou sur PC, vu qu'il est sur PS5 et PC. Vous pouviez... jouer avec eux, vu qu'ils jouaient en ligne également et que vous l'aviez dans votre liste. Malheureusement, ça a été enlevé, donc c'est un petit peu dommage. Oh là 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 là. 47, le Cabéléon, il se change si vite. C'est incroyable. Un prestidigitateur de génie. Un peu de repérage. Donc j'ai deux cibles, comme vous pouvez le voir. C'est écrit en haut à gauche. Vous avez toujours, bien sûr, quelques petits aléas qui peuvent s'enclencher, divers événements qui peuvent vous permettre d'avoir une tournure différente sur l'appréhension de votre mission. Ce n'est pas plus mal, car vous avez plusieurs axes pour arriver à votre objectif final, ce qui fait qu'il va falloir même recommencer plusieurs fois la mission si vous voulez la débloquer à 100% en ayant fait tous les achievements possibles que vous propose ce troisième volet de Hitman. A vous donc d'attaquer votre cible sans que personne ne meure, à vous d'y aller en mode gros bourrin. Vous pouvez la faire en mode un petit peu lâche, en empoisonnant certains cocktails pour les forcer à vomir, puis les tuer dans les toilettes. Tiens, voilà, un petit moment, une intrigue. Voilà, la possibilité donc. Si je fais le pavé tactile... Zana Kazim, aka the Vulture. One of the top agents working for Crystal Dawn. Il y a donc un autre assassin avec moi sur le coup. Terrorist organization. I almost hired him myself once, but chose the Maelstrom instead. What is? Think about it and come back if you want. Donc vous le voyez, c'est écrit en haut à gauche, je peux du coup me déguiser, prendre du coup son apparence. Bien entendu, Hitman, c'est forcément le caméléon. Bon là, je n'ai pas d'armes à mettre dans les poubelles parce que j'ai voilà, vous l'avez vu, il devait se faire fouiller, mais je ne sais pas si je vais vraiment suivre cette intrigue. J'essaie surtout un petit peu de repérer. 6 nouvelles destinations vous sont proposées dans ce troisième volet, donc 6 nouvelles maps, 6 nouvelles histoires, 6 nouveaux contrats.
Ce qui est pas plus mal, ça ajoute un petit peu plus de diversité, et bon, après on en a quand même pour notre argent, j'ai envie de vous dire, parce que franchement, il est carrément, vraiment, vraiment très beau. Je veux parler avec les partenaires directement, pour leur faire comprendre pourquoi tout ça se passe. And that terminal gives me an idea. Ah, si j'y vais en étant habillé comme ça, je pense que je vais me prendre en refoule. Oh oui, ça ne sert à rien d'attirer l'attention. Et là-bas, ça ne servira à rien non plus. Ouais. Ouais, donc interagissez avec un terminal de cartes, d'accord. Donc vous voyez, même les intrigues peuvent se développer de façon différente. Au début, on vous dit, vous allez faire un objectif, vous allez voir qu'il y a un certain handicap dans le procédé adéquat à exécuter. Et au final, joint de cannabis. Ouais. Bah, autant rendre stone notre cible, c'est pas plus mal. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, le petit aléa change en fait d'objectif. Et c'est vraiment sympa en fait, ça ajoute vraiment une touche assez, assez immersive, de rajouter un certain côté, comme dit, inattendu à votre processus de fonctionnement. Bah c'est pas plus mal, hein. Ça ajoute, vous savez, un espèce de plot twist, un espèce de petit rebondissement qui vous fait dire que « Ah, vous vouliez faire ça ? Non, on va plutôt faire ça. » Et ça, franchement, c'est cool. Est-ce que j'ai le code ? Ah, mais il est écrit. 4706. Yes, parfait. Donc, une nouvelle zone. Bien entendu, vous allez prendre de l'expérience à chaque fois que vous allez ou neutraliser quelqu'un, ou prendre ses vêtements, ou découvrir un nouveau lieu. Déjà, mon premier objectif, c'est surtout de trouver la personne avec qui je vais me transformer. Déconnecter. Ouais, non, on va rester en mode hors ligne. J'ai pas envie de me prendre la tête à me battre avec la connexion. Cette partie, du coup, ne comptera pas pour le mode en ligne. J'ai pas bien vu. C'est une femme qui vient. Je vais pas pouvoir me changer. Les vêtements de femme ne vont pas aux hommes. C'est bien connu dans les jeux vidéo. Allez, on neutralise mademoiselle sans la tuer, bien entendu. On verra si on tue des gens à la fin quand la situation va m'échapper. Ce qui fait que toi, t'as l'air d'être seul. Ouais. Toi, tu vas être mon premier déguisement. Même si vous laissez votre précédente tenue au sol, elle n'est pas perceptible par les ordinateurs. C'est vu comme un objet complètement inexistant pour l'ordinateur. Donc, ne vous en faites pas, si vous laissez quelque chose au sol, c'est pas bien grave. Si vous laissez une arme, par contre, des objets, ça peut être récupéré par les ordinateurs et mis en lieu sûr, sous scellé. Et vous le perdez, à moins que vous ne trouviez un moyen de le récupérer ou d'en voler une autre. Ok, faut que j'ouvre ça là-bas. Avec donc l'appareil photo. Mais eux, ils veulent pas partir. Est-ce que ça les alerte, hein? Non, j'en ai pas l'impression. Ça a pas l'air de les alerter. Oh, parfait. Les objets de G. Balancer une clé à molette dans la gueule, c'est pas plus mal. Mais il a compris ce qu'il allait lui attendre. Allez, zou. On va faire fonctionner les bras de 47 un peu. Montre-nous que tu vas à la salle, montre-nous que tu pousses de la fonte un peu. Mais
Providence. Ouais, non, mais ça va m'ouvrir le même endroit. Ah, il y a quand même un léger ray tracing quand même, hein. On voit notre reflet, c'est vraiment pas mal. Du coup, c'est complètement de l'autre côté alors? If we lure the targets there, they'll be trapped. On va voir ça. En tout cas, toujours le même gameplay entre dans toute la trilogie, hein. Dans toute la nouvelle trilogie next-gen, c'est toujours pareil. L1 pour sprinter, changer vos armes avec les touches directionnelles gauche-droite, pour ceux qui jouent sur console. C'est du pareil au même. Si vous avez l'habitude du jeu, vous ne serez pas dépaysé et vous n'aurez pas forcément besoin de refaire le tuto, même si un tuto est disponible bien entendu pour vous remettre dans le bain ou vous faire découvrir le jeu. Bon, ça m'a l'air d'être plutôt par là effectivement. J'ai vu que l'un des deux était plutôt en hauteur. D'ailleurs, ils l'ont dit au début, hein. The server room should be behind one of the doors in this hallway. Oh, ça c'est pas mal ça. Ça, le faire retomber pour que ça s'écrase, c'est pas plus mal. C'est bizarre. J'ai beau faire du check-up, parfois il y en a un qui m'échappe. C'est assez chiant de le retrouver à chaque fois. Hop, voilà, comme ça, ton pote de l'autre côté de la rambarde, il nous voit pas. Ça va me faire une arme en plus à transporter parce que je porte ta tenue. Donc je suis legit pour porter une arme à feu. Et ça va être super, ça va vraiment changer la donne. Oh, il y a quelqu'un dedans. Quelqu'un dedans, donc on va aller le mettre ailleurs. J'ai l'impression, enfin, je sais pas, quand ils sont à poil, j'ai remarqué même dans le tuto que au niveau de leurs bras, je sais pas si c'est les poils ou en fait si les poils sont mal faits, parce qu'on dirait qu'ils ont une espèce de maladie de peau au niveau des avant-bras, c'est un petit peu bizarre. Hello. Yeah, I just wanted to remind you about the lockdown drill tomorrow. Security room, non, moi il me faut la salle des serveurs. Mais j'ai pas vu ce qu'il y avait là-bas. D'ailleurs, je me suis un petit peu trop précipité. Ah bah ben en plus il y a les panneaux. Ah ben server room. C'était juste à gauche. Mais c'est ici du coup. Mais j'ai vu que c'était écrit en dessous. J'ai d'abord lu storage. Je suis un con. Bon, à toi. Ça va. Il a l'air d'y avoir son père. Toi, tu vas être ma nouvelle tenue également. Donc, je le déshabille d'abord pour laisser une tenue au sol, histoire de me rechanger au cas où. Par contre, avec mon arme, je suis plus du tout legit. On t'amène dans le casier. Je vais prendre sa tenue et... Par contre, il faudrait que je lâche mon arme. Ouh, cette clé pourra peut-être m'être utile. Calendar function. We can use this to summon the partners to a fake meeting, 47. All right, I'm no hacker like Olivia, but I think you need to pull one of the racks here to gain access to the terminal. Alors, j'ai un point d'exclamation. Voilà aussi. On dirait, il y a le nom Omar, mais les lettres rouges sont différentes. Est-ce que ce serait pas dans l'ordre? Il faudrait pas commencer par le O. Au cas où. On va se changer, comme je l'ai dit. Et on va voir... On va voir ce que ça donne. Parce que si je fais une merde, autant qu'il voit quelqu'un de la sécurité plutôt qu'un soldat. Alors, on lâche l'arme. On va voir ce qui se passe. Ok, bon, je ne peux pas. Le M n'a pas voulu s'activer.
Et les portes sont verrouillées. Génial. Du coup, je suis Keblo. Ni crochet, ni pied de biche. Bon, mais c'est top. Est-ce que cette autre porte peut s'ouvrir? Non! De toute façon, il y a écrit « Cachez-vous ». Il devrait peut-être pas tarder à rouvrir la porte pour éteindre tout ça. Il va prendre un coup de clé à molette, il va rien comprendre. Waouh, il récupère mon arme. Et voilà. La AK-47, là, elle est perdue. Vous avez eu une petite fondue enchaînée. Mais sans déconner, je pense que le fait qu'il est allé ramener l'arme a fait un petit peu bugger la méta. Normalement, ils auraient dû sûrement arriver en duo, là. Mais l'un a attendu que l'autre rapporte l'arme avant que celui qui a rapporté l'arme ne se pointe et que le deuxième n'arrive. Et le deuxième a... Ouais, c'est le deuxième qui désactive tout, forcément. C'était logique. Donc, parce que j'ai laissé mon arme, mais sans déconner, j'ai dû attendre, je crois, 5 minutes appuyé sur ce data center, quoi. C'est une horreur. Bon, du coup, caché, on l'a fait. Il y a l'air d'avoir que d'obtenir... Ah ! Obtenir une carte d'accès. Alors, les PNJ qui ont un rond blanc au-dessus de la tête sont des personnes qui peuvent savoir que vous êtes un imposteur parce qu'ils connaissent mieux le personnel que d'autres. Donc, si vous tombez sur quelqu'un qui a un habit qui a l'air beaucoup plus impressionnant que d'autres, ou que vous tombez sur des personnes qui ont le même habit que vous, vous pourriez tomber sur un de vos supérieurs et voilà, il va se dire « mais je t'ai pas engagé, je te connais pas ». Donc à ce moment-là, on peut se faire cramer. Donc il est très très important de les esquiver, de les éviter comme la peste, ceux-là. Vous pourrez faire capoter votre mission. Sans déconner, quoi. Je passe et elle dit bye, quoi. Elle raccroche au moment où je passe, quoi. Je pouvais pas passer au pire moment. Alert must have done something. Can you see anything different in the room? Pas l'impression que ça ait fait quelque chose. Je vais recommencer, je vais arracher un data de toute façon. Hein. Peut-être que parce que j'ai passé la carte, ça va changer. Et non, putain. Quelle horreur. Bon, bah, les droits d'administrateur, ça m'a saoulé. J'opte pour une deuxième approche, un petit peu plus peut-être bourrine, on verra bien, on va quand même essayer de rester sneaky, c'est un petit peu quand même le but, mais je comprends pas ce qu'il faut faire, et je galère depuis un quart d'heure, donc heureusement que la magie du montage est là pour vous le faire passer de façon plus rapide. Bon, j'ai pas la carte, je peux pas enclencher du coup l'alarme pour évacuer tout le monde, c'est pas grave. Bon, de toute façon, une de mes cibles, voilà. Au moins, je suis au même étage qu'elle. Là, il y a un supérieur qui arrive. Fait chier. Il me suit en plus, mais c'est incroyable! Ça va, il change d'endroit. Vous êtes trop nombreux ici, clairement. Bon, déjà, est-ce que les deux gorilles vont me... J'ai pas l'impression, il n'y a pas le point blanc, donc... Ce qui est assez rare d'ailleurs. D'habitude, les gardes du corps des cibles principales ont toujours un point blanc. C'est sûrement parce que ça doit être la première mission du jeu.
Ah ouais, non, là, il y a trop de monde. Il y a des domestiques, des employés, les gardes. Ouah, comment ça pue? J'ai aucune approche en tête. Bon, il y a des objets, sûrement. Pour lui balancer, ça va le buter. Il y a certains objets, bon, c'est contondant, donc ça va uniquement l'assommer. Et sinon, il pourrait y avoir aussi quand même quelques objets tranchants ou pointus. Comme un tournevis, par exemple. Ça arrive parfois d'en trouver un. Ouh. Ou des cimetières, effectivement. En vrai, comme j'ai aucune approche, plan B, je vais remonter dans sa chambre et je vais voir comment je vais procéder. On va voir comment on va faire. Pendant qu'il est en train de parler et qu'il a sa phase dans le bureau, on va rentrer dans sa chambre perso. Bon, déjà, il y a un garde, une domestique et il y a un barman. Génial. Trois mecs. Ça, c'est bon, ça. Un petit levier à lâcher. Donc, si il prend son cocktail sur le canapé, je vais l'écrabouiller. Il y a quand même du passage dans le couloir et ça, c'est chiant. Hello. Je ne peux rien empoisonner. Je n'ai pas pris de poison avec moi. Enfin, du moins, je n'en ai pas trouvé. Vous pouvez ou carrément trouver du laxatif, de la morora, des choses qui leur permettent d'aller directement aux chiottes. Ou carrément du véritable poison, genre de l'arsenic ou des trucs comme ça. Bon, il est en train de revenir. Ouais. L'autre, il regarde pas. Je vais agir. On va tenter, hein. Parce que si on ne tente pas, on ne fait pas. Donc il ne tente rien à rien. Ouah, comme elle voit rien. La pauvre, elle est sourde, quoi. Où est-ce qu'il est? Ça va, j'ai encore le temps. En espérant que le barman ne me voit pas. Ah, bordel. Va falloir que je m'en occupe vite. Reviens là. Voilà, fais dodo. La domestique, vite, avant que quelqu'un entre. Mieux vaut ne pas détecter dans la première salle. Et toi, je vais faire quoi de toi? Je vais te foutre derrière le canapé. Hein. Qu'ils aient le moins de visu possible, de toute façon. C'est le but, hein. Est-ce qu'il arrive? Il est au même étage. Je me demande si on peut les jeter par-dessus le balcon. Ça pourrait me faire... ça pourrait être pas mal. Bon, il est enfin revenu dans son salon. Il a fait 14 fois le tour du premier étage. Ça me gave, donc... je me cache des deux gardes. Et le topo, en gros, c'est que je vais jeter le marteau pour l'assommer lui, pour pas qu'il s'enfuit. Les gardes, eux, vont rester pour m'affronter. Donc il est plus logique que je flingue le type qui est supposé fuir. Parce que lui, là, déjà, j'ai pas la range pour le toucher. Et déjà, il m'attaque pas quand je porte un marteau. Il faut que je sois ici pour le toucher. Ouais, ce qui fait que l'autre, il va s'alerter. Ah ouais, en plus, il se lève. Où est-ce que tu vas? À la limite, je vais faire ça. Je vais me mettre contre le mur. Ouais, ça va, il n'y a personne. Je vais me mettre ici pour pas être à la vue des deux autres. Je vais lui balancer le marteau dans la gueule. Oh non, tu bouges. Encore ? Oh bordel, il se casse encore! Ah ouais, non. Prochaine fois qu'il revient dans la chambre, je l'éclate. Allez. Oh, parce que là, c'est chiant, quoi.
Bon, entre-temps, en plus, j'ai tué le garde qui avait le point blanc dans le couloir. Comme ça, il y avait une personne à moins. Un des deux l'a remarqué. Est-ce qu'il va être le seul à avancer? Faut aussi se dire ça. Bon. C'est pas remarqué. Aïe aïe aïe. Faut pas qu'il me tire dessus. Faut pas qu'il me tire dessus. C'est bon. Tu dégages. Voilà. Mais te relève pas, toi. Bon, on a craqué le coup. Yuga, dont on avait besoin pour la mission. Et maintenant, on va voir si ce que j'ai dit tout à l'heure s'avère vrai. Enfin, est-ce que c'est possible déjà? Oui, mais c'est parfait ça. Un slot illimité pour stocker autant de cadavres qu'on veut. Le vide, c'est trop bien. J'espère qu'ils vont pas me remarquer, mais bon. Là, je pense que j'ai en vrai, je crois que j'ai la tenue la plus rare de cette séquence parce que c'est l'un des deux gardes du corps, donc elle me permet non seulement de porter des armes, ils sont que deux à l'avoir, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent peut-être les connaître. Vu que c'est eux qui sont au placé, c'est censé être eux qui doivent connaître tout le monde. Enfin, remarque, ils m'ont pas reconnu alors que j'étais un simple soldat. Je dis peut-être de la merde depuis tout à l'heure, mais bon, on verra bien. On verra combien il y a de points blancs. Ce qui me reste après Marcus à buter. Voilà, plus de preuves. Les autres, ils sont dans le placard, donc... c'est bon. Oh, il n'y en a pas tant que ça, ça va. Ah, il est un peu en bas. Ah, il est même dessous, d'accord, ok. Bon, allez, on va essayer d'aller le retrouver. Alors, je l'ai retrouvé. Et en fait, j'attends depuis près de 10 minutes qu'il aille sous le treuil pour que je puisse le lâcher. Mais j'ai l'impression qu'il est bugué parce que il ne fait que des mouvements à 90 degrés. Et quand des gardes arrivent, il l'entoure et il se barre sans lui. Maintenant, je me pose la question. Si je tire à travers la vitre, est-ce que la balle va traverser? Vous voyez là, les gardes, là, ils se combotent à côté de lui. Là. Ça a l'air un peu bugué, j'ai l'impression. Bon allez, on va tenter. Yes, ça va, ça marche. J'ai un peu hésité quand même. Mais bon, ça va, c'est une arme silencieuse, donc ça aurait peut-être couvert mon tir. Allez, trouvons une sortie et cassons-nous de là. Il y a beaucoup d'entrées qui sont verrouillées. Oh, la cavalerie est arrivée si vite. Ils sont arrivés aussi vite que dans Demolition Man, quoi. Pour ceux qui ont vu le film, si vous avez la ref, je vous félicite. J'ai peut-être une idée. Je vais me changer en espérant qu'ils me reconnaissent pas. Bon, après, ils vont voir le cadavre à poil, donc ils vont se dire on va rechercher quelqu'un avec cette tenue-là. Ça va, ça passe. Oh, il y avait tellement de monde. Oh, le coup du caméléon. Oh, le clutch qui est si bien passé, qui me permet de m'enfuir. Sans accroc, incroyable. Oh, ça c'est beau. Oh là 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 là. Ce coup de maître que je lâche à la fin, quoi. Petit changement de tenue là qui permet de passer à... incognito, c'est génial. Et donc je m'enfuis. Ah, c'est le parachute. Bon, ben parfait. Et bien sur ce, je vais vous laisser là en espérant que ce gameplay découverte de Hitman 3 vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour un prochain test gameplay découverte. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao !